Et bonjour à tête, bonjour les amis, ici Kaz, j'espère que vous avez de la forme. Moi je l'ai, je voudrais avec grand plaisir en vidéo sur YouTube sur WoW Classic, MMORPG sur lequel je joue pas mal, notamment avec mon collègue et ami Inotna. Jeu sur lequel on prend notre temps, c'est vrai, on prend le temps de upgrader. Je ne suis que niveau 30, mais je prends le temps de m'amuser, de monter mes métiers, etc. Bref, c'est pas aujourd'hui le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler optimisation de rendement, comment faire quelques PA, voire quelques gold sans bouger de la capitale. Imaginons, vous pouvez juste vous connecter 5-10 minutes un soir, un matin, de partir au boulot ou à la pause déjeuner par exemple. Vous avez besoin de farmer un petit peu, de faire un peu de sous. Donc moi, une de mes techniques favorites pour le moment, tout se fait grâce à l'HV. Alors, prenez peut-être l'habitude d'utiliser des add-ons d'HV tels Auctioneer, Auctionator. J'en parlerai peut-être sur d'autres vidéos pour vous montrer comment ça fonctionne et comment ça s'utilise. Alors, juste qu'il faut que je répare. Hop, on parle plus. Voilà. Alors, moi, ce que je fais, c'est des bandages d'étoffe de soie. On part du principe que je suis 225 secourisme. Vous pouvez faire les bandages épais en soie ou les bandages en soie simple. Le rendement sera le même au niveau argent gagné, mais vous mettrez deux fois plus de temps à fabriquer du bandage en soie simple. Donc à partir du niveau 100 secourisme, c'est une technique qui est valable à l'HV, idéalement 125 pour pouvoir faire les bandages épais. Alors voilà à quoi ça ressemble. Vous allez à l'HV, étoffe de soie, vous triez par prix et vous regardez le prix du stack, sachant les amis, on va ouvrir plusieurs fenêtres, que le marchand vous achète un bandage épais en soi pour 4 pièces d'argent. Ça, c'est ce que le marchand vous achète directement. Vous, il vous faut donc 2 étoffes de soie pour fabriquer un bandage épais. Donc, tout ce que vous achetez à moins de 4 PA pour 2, soit 2 PA pour 1, sera rentable. Alors, je vous avoue, j'ai fermé la juillet 5 minutes, il n'y a plus grand chose. Mais par exemple, là, j'ai un sac de 20 étoffes de soie à 1,95 l'unité. Ça veut dire que sur chaque unité, je vais gagner 5 cuivres. Ce qui est assez peu, effectivement. On va faire un petit test. Regardez, hop, je vais mettre ma session. Non, hop, remise à 0 de ma session de gold. Donc là, je suis à 0. Je vais acheter des packs à 1,95, ce qui est assez élevé. Hein, parce que vous pouvez trouver des packs pour beaucoup mieux que ça. Là, je vois j'ai du 1,94, on va les prendre, on va en prendre plusieurs hein, pour vous montrer. Donc, dans l'idée, à 1,94, ah voilà, là on a du 1,87, ça commence à parler. Alors tout à l'heure, avant de lancer cet enregistrement, je sais con, j'aurais dû le lancer juste avant. Il y avait des packs à 1,69, ça existe, 1,68, 1,67. On trouve parfois en soirée, parce que c'est surtout le soir que cette technique est la plus valable. On trouve en soirée des gens qui vendent leur étoffe de soie à 1,55, 1,53, voire 1,50 unités. Et là, on commence à être très rentable sur ce genre de manipulation au niveau rapport temps. Donc là, par exemple, j'ai acheté pour l'équivalent de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, un peu plus de 160 étoffes de soie. Donc je vais pouvoir en faire 82 bandages épais en soie. Ça m'a coûté 3 PO, 11 pièces d'argent, 80 cuir, vreux. Gardons à l'esprit qu'au niveau des prix de vente, c'était plutôt élevé. Et le but, ça va être ça. Acheter des étoffes de soie à moins de 1,99 unités pour la transformer en bandage épais ou en bandage en soie. Bon, en plus, ça vous fait monter le secourisme. Moi, je suis à fond, donc je m'en fous. Enfin, je suis à fond. À mon niveau, je peux pas faire plus. Et on bazarde tout au marchand. Autre technique, vous pouvez essayer de bazarder vos bandages à l'HV. Prix moyen 4,54. Je suis pas sûr que ça parte. Je connais pas beaucoup de personnes qui vont à l'HV pour acheter des bandages. Je me trompe peut-être. Hein. C'est peut-être quelque chose de très utile. Mais moi, je m'emmerde même pas. S'ajoute à ça les frais de vente. Hein. Les frais de postage à l'HV, donc je suis pas convaincu que vous soyez gagnant. Essayez d'appeler donc sur une étoffe de soie. Une étoffe de soie entre 1 pièce d'argent 50, 1 pièce d'argent 80, 85, pour avoir quelque chose d'assez rentable sur des volumes plutôt légers. Le soir, vous trouvez plus d'étoffes de soie. Voilà. Donc là, je vous retrouve dans 2 minutes, je finis mes vantages. Allez, il ne reste plus que 4 à faire, ça m'a pris l'équivalent de 2 minutes.
Donc, récapitulatif, nous avons dépensé 3 PO, 11 argent, 81 cuivre pour acheter nos stacks de soie à des prix, je le rappelle, assez élevés, je trouve. On va parler maintenant au marchand, on va tout vendre sans se poser de questions. Donc, on est à 80 pièces d'argent l'unité sur un stack de 20 bandages épais. Et là, hop, on revient à nos statistiques. On a fait avec cette manipulation 16 argent, 19 cuivre. Alors ça, faut rester dans l'idée qu'on bouge pas de la capitale et qu'on est sur des tarifs élevés. Parce que vous pouvez le voir sur l'horloge, j'ai enregistré à 15h58 en pleine semaine, jour de repos. Donc l'HV n'est pas super rempli. Revenez, c'est mon conseil, revenez le soir. Voir un petit peu le marché des étoffes de soie, vous en trouverez à 1,50-1,60. Donc si vous achetez, imaginons, un pack d'étoffes de soie à 1,50, vous allez gagner 50 cuivres par étoffe, donc par 10, 5 argent, par 20, 10 argent. Donc un stack de 20 étoffes de soie à 1,50, vous gagnez, j'ai dit combien, 10 argent. Pas mal. Donc voilà, ici c'est quelque chose qui est rentable sans bouger son gros cul de la capitale. Donc ça peut être intéressant si par exemple vous attendez pour monter un groupe ou si vous attendez pour d'autres choses. Je sais rien, si voilà, si vous connectez 5 minutes avant de reprendre le boulot comme je vous disais en début de vidéo. Donc moi je vais re-blinder mes sacs d'étoffes de soie et puis je vais vous laisser. Donc n'hésitez pas à partager un peu vos techniques aussi vous, hein, à la communauté. Si vous avez des techniques comme ça, des petites techniques pour gagner un peu de sous, pour se faire du fric. Moi personnellement, j'ai commencé à faire ça, j'avais 19 gold, je suis monté à 30, enfin 29 et quelques maintenant. Enfin bref, à 30, ça m'a permis de gratter voilà, une dizaine de PO sans trop bouger entre deux pauses boulot. Donc voilà, je pensais que c'était intéressant à vous partager, donc je vous invite à me dire en commentaire, les amis, vos techniques à vous, que j'essaierai pourquoi pas de mettre en place, c'est en vidéo. A très bientôt, c'était Kaz, pour ça nous, bye tout le monde.